Alors, je suis Laurent Bardoux et je crée des livres illustrés sur des thèmes différents. J'aime l'idée de créer des carnets de voyage ou quelque chose voilà, qui a une trace, entre guillemets, technique humaine avec des collages, avec du papier, avec des dessins, des écritures, des photos, du scotch. J'aime cette idée-là. Tout est fait de A à Z, c'est une écriture manuscrite faite au stylet avec palette graphique. Et puis tous les documents proviennent de ma collection perso ou de personnes qui m'ont prêté des documents rares comme les photos de la Kamanchanke d'origine, la première de 1883. Alors celui-ci, c'est mon carnet de cuisine et souvenirs du bassin d'Arcachon. C'est-à-dire que j'ai répertorié des recettes locales et des recettes de ma famille, tout en y intégrant des souvenirs de ma jeunesse et des années 80-70 à Arcachon avec des vieilles publicités d'antan, tout un tas de petites choses qu'on pouvait faire quand on était cette génération Arcachon. Il y a aussi une rencontre avec une ostréicultrice de 95 ans que j'ai filmée pendant une année. C'est un album global, comme un almanach d'été, souple, un peu épais, que vous pouvez amener à la plage. Voilà, qui présente toutes ces caractéristiques et dans lesquelles vous pouvez chacun vous retrouver et apprendre des choses tout en vous amusant et en vous divertissant et en vous régalant avec les recettes qui sont vraiment sympa et que l'on ne voit pas tous les jours. Je suis assez gourmand, j'aime la recette, les recettes de cuisine et puis j'estime que localement, on n'a pas assez de choses consacrées à la cuisine locale. Ça raconte beaucoup de choses, la cuisine, c'est un partage, c'est de la découverte, c'est du mystère, c'est tout un tas de choses qui m'intéressaient beaucoup à mettre en scène et à mettre dans le livre. Je ne me voyais pas faire ce livre sans la cuisine en fait.